Bonsoir. Bonjour, Dixon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Merci. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée, webinaire dont on va commencer maintenant. Le webinaire a par titre Bonsoir, l'équipe de Dixon. Bonsoir Brahimi. Bonsoir Monsieur Brahimi. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Très bien. Grâce à Dieu. Très très bien. Ok, merci. OK. Bon, on peut commencer notre webinaire sur l'aspect. Je crois qu'il est temps. Il est 9 h du soir. Il y a beaucoup de gens déjà dans la salle. Des gens continuent à s'incorporer. Mais je vous souhaite à tout le monde bonne journée. Bonne journée, DXN. Bonne journée. Bonne soirée aussi. Notre webinaire a par titre aujourd'hui. Je vais partager ma présentation. À partir d'aujourd'hui, à ASP, laissez-moi trouver. C'est laquelle? Vous voyez mon écran, vous pouvez partager mon écran, vous pouvez voir. Allô? Oui, on voit Tu l'écran. m'envoies? Parfait. Alors voilà, notre programme de parrainage Active Sponsoring Program, d'après la formulation anglaise, c'est un programme qui a été créé dernièrement, il y a quelques mois, et je voulais commencer par faire un petit repère historique de comment on a lancé ce programme. C'était le mois de juin que les programmes ont été lancés dans la Pologne et aussi dans l'Ouzbékistan comme pays test. C'est un programme qui a été développé par notre ambassadeur couronne, Grand Ambassador Laszlo Coxi, notre premier ambassadeur couronne en Europe et le seul jusqu'à présent, qui a pensé comment pouvoir développer un programme pour gagner du momentum et gagner de l'accélération dans le développement d'affaires, dans le développement des négoces de DXN en Europe. Initialement, a été conçu pour se présenter en Europe, comme je vous l'ai dit. Il a été testé le mois de juin, initialement dans les pays de la Pologne et l'Ouzbékistan. Après tous ces mois, et après les résultats que ça a donné, très positifs, la société DXN a décidé d'élargir et commencer à introduire ces programmes dans d'autres pays. Et les premiers pays après ces tests en Europe sont l'Hongrie, la Grèce et l'Espagne, qui ont démarré au début du mois de novembre. Bientôt, d'ici 2 jours, la France va commencer ses programmes, dont la plupart des gens qui sont dans la salle, je suis certain qu'ils sont déjà familiarisés avec certains composants du programme, mais j'ai tenu bien à faire ces webinaires pour pouvoir divulguer et pour pouvoir éclaircir n'importe quelle question qu'ils puissent avoir avant qu'on commence à les mettre en œuvre, comme je dis, à partir du 1er décembre. Alors, qu'est-ce que c'est les packages ASP? Bon, les packages ASP, ce n'est qu'une grande opportunité pour créer la possibilité de générer des revenus rapides. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais développer ça tout à l'heure. C'est aussi un programme très dynamique parce que ça présente, et on verra pourquoi, l'opportunité pour pouvoir promotionner dans ce que c'est les plans marketing de DXN. Okay?
Et dernièrement, le troisième composant, c'est que c'est un élément extrêmement motivateur pour les gens qui sont prêts à faire des efforts extra. Ça, c'est initialement qu'est-ce que c'est les fonds conceptuels qu'il y a derrière ces programmes. Alors, comment faire un paquet ASP? Il s'agit de quoi? Quelle est la définition d'un paquet ASP? Bon, il y a quelques éléments qu'il faut tenir compte. La première des choses, c'est l'ASP, ce n'est qu'un achat spécifique, un achat particulier qui remplit certaines conditions. La première des conditions qui remplit, c'est vraiment que la personne qui fait l'achat peut faire la combinaison des produits, quel que soit ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est vraiment la combinaison des produits de son choix. Ce n'est pas un paquet qui est préparé avec des produits définis auparavant. Non, c'est n'importe qui peut faire la personne qui va faire l'achat ASP peut faire un achat à 100% café, un achat à 100% Morisi, un achat à 100% des compléments nutritionnels, peu importe. C'est à la personne qui est en train de faire l'achat qui décide là-dessus. OK? Ce qui est super parce qu'elle donne énormément de liberté et les choix à chacun de prendre ses produits préférés. Deuxième élément, c'est les paquets des ASP en condition minimum qu'il faut remplir, c'est un minimum de 100 PV. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter en dessous des 100 PV pour faire un paquet ASP. Il y a un minimum, un seuil. Néanmoins, les seuils par les maximums n'existaient pas, c'est-à-dire on peut acheter pour un minimum de 100 points, mais on peut acheter autant de points qu'on veut parce que la limite supérieure n'existait pas. OK? Et le troisième élément de la définition de ce paquet ASP, c'est que les 100% de la valeur des DP, des Price Distributor, qu'on paye, c'est-à-dire si on fait un achat d'un paquet ASP, supposons des 500 euros, on reçoit des produits pour valeur de 500 euros, mais néanmoins, on va garder ces 500 euros comme solde pour être utilisés dans les prochains achats à l'avenir, pendant une période de 300 jusqu'à ce qu'on réduise ça à zéro, à raison de réduire, faire une remise de 10% par chat achat. OK? Je ne sais pas si jusque-là, vous avez très bien compris de quoi il s'agit, ce paquet ASP. Ces trois éléments. C'est bien compris? Je n'entends rien, c'est-à-dire, je suppose que tout le monde a bien compris. OK? Bon, ça, c'est la base. Alors, une fois qu'on a fait l'achat, et voilà un des éléments qui constitue ce principe dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'ASP, c'est un programme conçu pour développer des revenus rapidement. On va voir de quoi il s'agit quand on parle des les bonus qui se génèrent et quel est le paiement qu'on va obtenir à partir de cet achat de notre réseau. Alors, si quelqu'un achète un paquet ASP, la société va payer son upline, c'est-à-dire le parrain direct de la personne qui a acheté, va recevoir un bonus équivalent à 60% de ESV de ce qui était l'achat ASP. OK? Mettons de nouveau pour éclaircir ça. Dans un exemple simple, si la personne fait un achat de 500 euros, par exemple, plus ou moins, 500 euros, c'est à peu près 500 PV, alors la personne qui a parrainé, la personne qui est au-dessus, qui est son parrain direct, va recevoir 60% de la valeur SV. Et dans ces cas-là, s'ils sont achetés pour 500 PV, SV plus ou moins sera 250-300, c'est-à-dire les 60% de ces 300 SV va être reçu comme bonus. Et ça, c'est très, très important et très dynamique. Parce que ça représente un grand montant.
Et particulièrement parce que ce bonus, il est payé hebdomadairement. C'est-à-dire chaque semaine, on va payer les achats de ASP qui sont faits pendant la première semaine. On va payer la commission au début de la semaine, ensuite la semaine qui suit. OK? Cette partie du bonus, les 60%, qui est payée hebdomadaire, c'est le seul qui est payé hebdomadaire. Pour le reste, il va se générer aussi des commissions de 10%, 5%, 5% que vous les voyez ici. Au deuxième niveau, dans les uplines, au troisième niveau, dans les uplines, et au quatrième niveau, dans les uplines, OK? Mais cette commission, ce bonus sera payé que mensuellement, c'est-à-dire comme on le fait d'habitude. La seule condition pour pouvoir toucher ces bonus, pour avoir droit à pouvoir recevoir ces bonus de ce que notre downline a pu acheter, c'est d'avoir acquis 100 PV, la personne qui va recevoir son bonus. OK? Ça donne, comme j'ai dit tout à l'heure, la notion de dynamisme de ces programmes parce que pouvoir avoir des gens qui font un paquet ASP, imaginons, durant la première semaine du mois et recevoir un bonus la deuxième semaine, ça c'est quelque chose qui change beaucoup la façon comment la société, comme DXN en ce moment, est en train de promouvoir les paiements des bonus qui est mensuel. Okay? C'est un élément très disruptif et très positif qui va générer énormément de positivisme en relation à ces programmes. Quelles sont les règles pour faire des ASP? Bon, pour commencer à faire des ASP, il n'y a pas de condition. La seule chose, c'est appartenir à la société DXN et avoir un code. Les codes doivent être actifs. Les codes qui ne sont pas actifs ne peuvent pas acheter. Okay? Mais dans les cas échéants, qu'il y a un code qui n'est pas actif, en achetant 100 PV, on revient actif, comme vous le savez. Mais pour faciliter cette procédure, au lieu de devoir acheter 100 points pour être actif et ensuite devoir acheter l'aspect, celui qui veut le faire, on a considéré que directement la personne qui n'est pas active, que son code n'est pas actif, si elle achète un ASP, un paquet ASP, directement, on considère ça valide. Okay? C'est-à-dire, la seule chose finalement que le système établit comme règle au préalable, c'est il faut avoir un code. Okay? Parce que comme le minimum des ASP est toujours 100 points, si le code n'est pas actif, le moment d'acheter l'ASP fait en sorte que le code devient actif. Okay? Alors, il n'est pas nécessaire d'acheter un ASP pour participer au programme. C'est-à-dire, même si une personne qui a un code déjà existant, qui est une personne inscrite dans les réseaux d'IXN, cette personne n'achète pas un ASP, mais son downline achète des ASP, la personne va toucher des bonus directement sans besoin de la personne faire un ASP pour pouvoir les toucher. Ça, c'est compris. OK? Évidemment, la DXN ne va pas payer deux fois par les mêmes effets économiques. Et pourtant, les ASP, si c'est compté sur la commission, comme on a déterminé, 60%, 10%, 5%, 5%, ces ASP qui sont considérés pour être payés comme commission, comme bonus dans les ASP, sont pas des ASP qui vont être considérés dans les plans traditionnels des DXN, parce que ce serait comme doublé, comme répéter des fois, payer des fois par les mêmes faits économiques, comme je dis. Alors, je crois qu'il est facilement compréhensible que DXN va payer que simplement pour la partie ASP, si c'est le cas, ou par la partie marketing traditionnel, dans le cas où la personne n'est plus dans les programmes ASP. Et
Pour finir, les règles des SP, les premiers mois, on va compter maintenant pour la France, je vais être spécifique pour la France, les premiers mois pour l'Espagne étaient les mois de démarrage, qui étaient les mois de novembre. Maintenant, pour la France, les premiers mois seront les mois de décembre. C'est-à-dire la France va démarrer au 1er décembre et c'est les mois de décembre qui comptent comme premier mois du programme ASP pour la France. OK? Quelles sont les conditions pour recevoir des commissions directes sur la vente d'un paquet ASP? Ici, il faut différencier des choses. Je crois que, comme vous voyez dans ma présentation, il y a des membres inscrits et des membres qui sont nouveaux. On sépare ça, on verra pourquoi, parce que les conditions vont changer un tout petit peu en faveur de membres nouveaux. Je vais expliquer pourquoi. Mais je crois que la meilleure des choses pour comprendre quelles sont les règles et les conditions pour recevoir des commissions, c'est se centrer sur les membres déjà inscrits, c'est-à-dire les membres existants dans les réseaux d'IXL. Une fois qu'on comprend ça, traduire ça pour des nouveaux membres, c'est très facile et tout le monde va les suivre sans difficulté. Pour les membres inscrits, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, 100 PPV, points des valeurs, points personnels des valeurs, pour pouvoir être payé. C'est-à-dire, la personne qui va recevoir, dans les plans marketing traditionnels, toujours dans DXN, la personne doit au minimum avoir ses 100 points pour pouvoir avoir accès à ses bonus. C'est la même chose ici. Okay? On doit avoir ses 100 PPV, ce sont un point mensuel pour pouvoir être considéré et avoir le droit à être payé de toute l'activité que notre downline puisse générer comme achat ASP. OK? Ça, c'est la première condition. OK? Il n'y a plus rien à faire pendant les 3 premiers mois. La seule chose qu'on doit faire pendant les 3 premiers mois pour pouvoir avoir les paiements de l'activité ASP que mon downline est en train de générer, c'est mais garantir que mes 100 points sont déjà acquis. D'accord? À partir du 3e mois, pour les 4e mois, avoir le droit de pouvoir toucher la commission, qu'est-ce que le programme demande? Il demande que pendant les 3 mois auparavant, c'est-à-dire les 3 mois qu'on a concédés comme période pour pouvoir qualifier pour les 4e mois, nous devons inscrire 6 personnes directes sous notre code. Et chaque personne de ces 6 personnes nouvelles doit accumuler 100 points dans les mêmes mois quand ils se sont enregistrés. OK? C'est-à-dire, pour la France, il va commencer les mois de décembre comme premier mois. On va voir les mois de décembre, les mois de janvier, les mois de février. Tout le monde va pouvoir toucher ses commissions des ASP avec la seule condition d'avoir ses 100 points par mois. Au 4e mois, c'est-à-dire les mois de mars pour la France, les mois de mars, seuls les gens qui, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, ont réussi à avoir 6 nouvelles personnes enregistrées sous son code et chaque personne faisant 100 PV, 100 points de valeur au moins quand ils se sont enregistrés, pourront avoir le droit à toucher la commission les 4e mois. OK? Et à partir du 4e mois, chaque mois à suivre exige des conditions pour pouvoir continuer dans les programmes ASP. La première des conditions, comme toujours, c'est de faire ces 100 points. Et la deuxième condition, c'est faire les mois précédents 3 nouveaux registres, 3 nouvelles personnes enregistrées sur mon code direct, chacun d'entre eux en faisant 100 points les mois précédents.
OK? Ça, c'est pour les membres qui sont déjà inscrits, c'est-à-dire les membres qui, au moment de démarrage du programme, dans ces cas-ci, en France, ont un code qui existe, registré chez DXN. Pour les gens qui, les 1er décembre, quand le programme va démarrer, n'ont pas un code, mais ils se registrent, ou ils auront un nouveau code qui va commencer à vivre à partir de ce moment-là, les conditions sont exactement les mêmes, je dirais, avec une petite réduction bénévole pour faciliter leur compréhension du programme et pour faciliter leur intégration et l'exploitation du programme. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle arrive, il y a beaucoup d'informations à devoir processer, beaucoup d'informations à devoir avaler. Et alors, on s'est dit, pour une personne qui arrive, autant laisser une période de grâce, d'une certaine façon. Alors, quelle est la période de grâce? Pour la personne qui commence son activité à partir du mois de décembre, on laisse 5 mois. Et on laisse 5 mois dans lesquels la personne, pour pouvoir toucher des commissions pour les achats ASP que son downline est en train de faire, la seule chose qu'il doit remplir, la seule condition qu'il doit remplir, c'est simplement faire 100 points par mois. Okay? Comme les demandes et les plans de marketing traditionnels. Ça, c'est pendant 5 mois. Au sixième mois, le mois 6, pour pouvoir avoir droit à toucher des commissions sur l'activité ASP qui puisse se produire dans mon downline, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir registré pendant les 5 mois, ces périodes de grâce précédentes, n'importe quand, pendant la période des 5 mois, registrer 5 nouveaux registres directs à chacun d'entre eux en faisant 100 points les mois qu'il s'est registré, les mois dont, quand lui, c'est la personne s'est registrée. C'est-à-dire, si je dois registrer 5 personnes pendant les 5 mois à partir que je rentre dans la société, ça peut être 2 personnes le premier mois, 1 personne le deuxième mois, 2 personnes le troisième mois, ou même 0, 0, 0, 5 personnes, n'importe comment. J'ai enregistré 5 personnes en total pendant la période de 5 mois et pour compter comme parrainage effectif pour ma qualification, chaque personne doit aussi consommer 100 points les mêmes mois quand le registre s'est effectué. OK? À partir des les sixième mois, ça m'habilite, ça me donne le droit à pouvoir toucher ma commission des sixième mois. Et à partir du dixième mois, c'est-à-dire pour le septième mois, huitième mois, et ainsi de suite, la seule condition que la personne doit remplir, c'est la même que pour tout le monde. À ce moment-là, le programme devient complètement unifié. C'est-à-dire, il faut que la personne registre 3 nouveaux registres directs les mois précédents et la personne achète 100 points les mois de la qualification, les mois qu'il compte avoir sa commission des ASP. D'accord? Comme vous le voyez, un axiome dans les programmes plan ASP, les programmes ASP, et c'est que la personne, pour s'initier dans les programmes, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire le fait même d'avoir un code nous donne le droit de participer au programme, de pouvoir toucher ses commissions, etc. Mais si les moments venus, au quatrième mois pour les membres inscrits déjà, au sixième mois, pour les membres qui vont s'inscrire à partir du 1er décembre, si la condition ne se remplit pas, la personne sort du programme ASP. C'est-à-dire, elle est expulsée, elle n'est plus dans le programme ASP, elle ne peut plus toucher des commissions sur les ASP qui sont en train de se produire dans ces downlines. OK? Ces commissions vont plus tomber sur lui parce qu'il ne participe plus du programme ASP. Et c'est pour ça qu'on appelle et on dit
que c'est un programme actif, dynamique et un programme qui donne la motivation pour les gens qui veulent faire des efforts extra. Parce que quelles sont les conditions pour se maintenir dans les programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, trois personnes chaque mois, trois personnes nouvelles chaque mois, direct sous mon code. Et moi, dans les mois précédents, et moi m'assurer que dans les mois où je suis, avoir la qualification de 100 points. Ça veut dire que c'est un programme conçu pour les gens qui veulent faire tout sur sa concentration de son énergie et son activité, avoir des nouvelles personnes qui sont en train de rentrer dans les programmes, de rentrer dans DXN et de continuer à projeter ça au long du temps, autant qu'on le veut. Parce que finalement, c'est un programme qu'on sait qu'on est en train de démarrer maintenant, mais c'est un programme qui n'a pas de date de finalité. Il ne va pas finir. Mais c'est un programme exigeant, évidemment, parce qu'il faut s'assurer que chaque mois, il y a trois nouveaux registres qui se sont faits et chaque nouveau registre doit avoir ses 100 points dans les mêmes mois. OK? Comme on sait que c'est un programme qui motive à faire les efforts extra, il y a un programme exigeant, on a aussi développé quelque chose pour faciliter la vie de ceux qui sont en train de participer du programme ASP. Et pour ça, on a pensé à permettre, pendant une période d'un mois, okay, permettre la suspension des ASP. Pendant toute une année, c'est-à-dire l'année du calendrier du 1er janvier jusqu'à 31 décembre, chaque année, chaque personne qui fait partie du programme ASP peut demander une suspension d'un mois. Il peut demander la suspension d'un mois, je vais expliquer quelle est la procédure, que des mois dans toute l'année du calendrier. C'est-à-dire qu'on peut demander maximum 2 fois la suspension d'un mois. Okay? Et aussi, la suspension d'un mois, elle ne peut être pas demandée 2 mois de suite. C'est-à-dire, il faut que ce soit un mois et on ne peut pas le demander pour les mois suivants. Il doit passer au minimum d'un mois pour pouvoir vouloir le demander encore, pour pouvoir les demander. Quel est le rationnel pour laisser la suspension des ASP? Le rationnel, c'est qu'on sait qu'il y a des périodes dans l'année où l'activité du distributeur ou l'activité de leader va s'arrêter par des raisons spécifiques, soit par des raisons personnelles, par des raisons familiales, par des raisons du travail. Il y a des périodes de vacances, il y a des périodes religieuses comme les ramadans, où les choses sont beaucoup plus compliquées. Et alors, pour faciliter, alors, dans ces périodes où on sait que l'activité puisse décliner un tout petit peu, on s'est dit, bon, on va permettre que la personne, en sachant auparavant, oh, le mois prochain, je vais partir peut-être en vacances, oh, le mois prochain, c'est les ramadans, je ne vais pas être trop active parce qu'il y a des limitations, etc. Alors, permettre que la personne puisse notifier la société, écoutez, ce mois-ci, je ne vais pas être active dans les programmes ASP et avoir la suspension du mois complet. OK? Comment fait la demande de suspension? Il y a dans les e-world, il y a une facilité où on dit ASP et on dit suspension. On fait la demande on coche sur les boutons qui dit je vais activer ma suspension pendant ces mois-ci. Et on peut le faire que pendant 5 jours, du 1er au 5 du mois. On ne peut pas demander la suspension à partir de ces périodes-là. Okay? La suspension, je le répète encore, doit se produire entre les 1er et les 5 du mois. Et en plus de ça, une fois qu'on demande la suspension, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, si on demande la suspension pendant un mois déterminé, qui doit être demandé entre les 1er et les 5 du mois, on ne peut pas. 10 jours après ou 15 jours après, imaginez-vous les 20, les 22 du mois, dire, écoutez,
Moi, j'avais changé parce que je pensais que je n'allais pas être trop active. Là, maintenant, je me suis rendu compte que malgré tout, j'étais très active. Non. Une fois qu'on a demandé la suspension, est suspendue et on a déjà utilisé cette opportunité. D'accord? La suspension, une autre condition, ne peut pas se demander pendant les 3 premiers mois pour les codes existants, ni pendant les 5 premiers mois pour les codes nouveaux. Okay? Ça, pour des raisons évidentes, parce que si on commence, on vient de commencer, et on va voir maintenant que les 3 premiers mois, c'est d'une certaine façon une période de grâce, où les choses sont beaucoup plus faciles. Alors, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va permettre que les gens demandent sa suspension. Et pour les codes qui viennent de s'inscrire, la période de grâce est de 5 mois. Pareil. OK? Une autre information intéressante, ça, je ne vais pas rentrer au fond de ça, mais simplement le souligner, c'est que en plus de ça, c'est pas ça que je voulais dire, en plus de ça, les points qu'on fait dans les ASP, les points, les PV qui sont faits à travers les programmes ASP vont être aussi considérés pour les comptages des points pour la qualification des voyages internationaux, International Travel Seminar Incentive, ce qu'on appelle ITIC-SIOTSI, comme vous voulez l'appeler. Les deux façons sont acceptables. Okay? Ici sont les conditions, c'est vraiment simplement faire les calculs. On détermine comment, avec ces formules qui sont ici, comment calculer exactement combien de points vont être considérés, mais ça, ce n'est pas quelque chose où je suis très intéressé à traiter à ce moment, parce que finalement, c'est intéressant de savoir que les points vont être considérés aussi. Ils vont être ajoutés dans les points dans les plans traditionnels, on est en train de faire pour qualifié pour les voyages internationaux à Malaisie, à TSI. Mais ce que je veux traiter ici, et ça c'est très intéressant, c'est cette promotion. Parce que c'est très important. Non pas seulement que les plans ont toutes les conditions pour pouvoir développer l'activité très rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on gagne des revenus rapides et immédiats, payés hebdomadairement si on le veut, et ainsi de suite. Ça permet aussi ajouter des points à la qualification TSI. Mais en plus de ça, on a fait une promotion, on a créé la promotion que Datuclim a voulu accepter quand on a proposé l'idée, qui c'est pendant les 3 premiers mois, c'est-à-dire pour la France, dans ces cas-ci, spécifiquement, seront, puisque les programmes ASP vont être lancés le 1er décembre, pour la France, pendant les mois de décembre, les mois de janvier jusqu'à fin février, tous les achats ASP qui se font, les points, les PV qu'ils vont générer vont être multipliés par deux, c'est-à-dire vont compter doublement, vont être comptabilisés deux fois. Okay? C'est-à-dire, imaginons-nous qu'on achète un paquet ASP de 500 points et pendant les 3 premiers mois, et alors, puisque j'ai acheté 500 points, la société va comptabiliser mon achat comme un achat de 1000 points. OK? Ce qui fait que pour pouvoir aider les gens à promouvoir des rangs, des membres jusqu'à Star Agent, agent étoile, ou même en dessus, ça va être très utile et c'est un des grands bénéfices aussi qui offre ces programmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on considère que c'est un programme très dynamique. On a vérifié avec les marchés de la Pologne, on avait vérifié quelques petits détails. Les nombres de personnes enregistrées une fois qu'on a commencé avec les plans ASP, a été multiplié presque par 3. OK?
Et les chiffres des ventes de la Pologne ont augmenté de presque 150% pendant les mois à suivre à l'introduction de cet programme. Ce qui veut dire que les bonus qui sont en train de se faire payer à la Pologne grâce à ces programmes ont facilité, ont grandi et ont eu une augmentation de 150%. Et en plus de ça, on a vérifié aussi qu'il y a eu beaucoup plus de promotions. Une fois que les programmes ont été démarrés, pendant les 3 premiers mois, il y a eu énormément de promotions grâce à cette double comptabilité des points. Parce que, imaginez-vous, que je suis un membre et mon downline, qui est mon downline direct, la personne à qui j'ai parrainé, fait un achat de 500 points, dont il est comptabilisé comme 1000 points, double. Ces 1000 points vont monter sur moi. Et si je suis membre aussi et j'ai 2500, 3500 points, 1000 points en plus qu'ils vont me donner, ça me met directement dans les 4500, c'est-à-dire j'ai monté au niveau, au rang des agents étoiles SA, okay, Star Agent. Voyez quelle est la dynamique qui se crée et c'est pour ça qu'il y a énormément de promotions dans les rangs. Comme il y a plus de SA en train de monter, il y a plus de gens qui vont aussi tourner des stars Roubaix et il y a plus de gens qui vont tourner stars Diamant. Et c'est ça qui fait en sorte que le programme est très intéressant parce qu'il y a un bénéfice énorme pour les personnes qui sont en train de travailler et focaliser toute son énergie à trouver de nouvelles personnes qui ont ce point pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et jusque-là, sont les conditions, et là maintenant je voudrais ouvrir un peu les débats pour ceux qui ont des questions à poser et éclaircir les points parce que à partir du premier, vous pouvez commencer à les faire les programmes, bien que ce n'est pas nécessaire de commencer les premiers. Il faut vraiment, je crois qu'il faut, avant de se lancer au programme, il faut faire une réflexion stratégique pour se dire quel est l'intérêt que j'ai à faire cet achat ASP et faire un achat ASP optimal. Pourquoi? Parce que l'achat ASP a une condition qui est, on peut le faire qu'une fois par vie. Il n'y a qu'un achat par code. Ce n'est pas qu'il achète le mois de novembre, le mois de décembre, il achète de nouveau un ASP le mois de janvier. Non. Je suis un code et pourtant je dois avoir des ASP, mais je ne peux faire qu'un achat. Chaque code a droit à faire qu'un achat. OK? Et alors, puisque on a 3 mois pour pouvoir faire son programme, l'idée serait de faire l'achat optimal. Puisque, comme j'ai dit, on a plusieurs bénéfices. D'abord, j'achète des produits que je veux. Tous les produits qui me sont donnés sont des produits que je vais utiliser. En même temps, j'ai un solde pour les mêmes valeurs de ce que je viens d'acheter, une solde pour pouvoir l'escompter, pour pouvoir l'utiliser comme remise à chaque achat futur, chaque achat à l'avenir, pendant 3 ans. OK, à raison d'une remise de 10% de mon achat à chaque fois. Et dernièrement, les points que je génère avec mon achat ASP pendant les 3 premiers mois vont considérer comme points doubles. C'est-à-dire, ça va m'aider aussi à monter dans les rangs. Je crois que ça mérite une bonne réflexion et c'est dire, même si l'achat ASP, je pourrais le faire éventuellement pour 100 point, il vaut mieux réfléchir pour voir où je peux monter le plus possible pour pouvoir bénéficier au court terme, au moyen terme et au long terme de ce programme qui est en train de maintenant se lancer en France. OK? Très bien. Au revoir. Maintenant,
Est-ce que vous avez des questions? J'ouvre un peu les tournes des paroles, des questions par rapport à ces programmes, si vous voulez éclaircir quelques aspects de ce que je viens de présenter. Je suis ravi de pouvoir éclaircir le maximum. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, l'ASP là, est-ce que c'est valable combien de temps? À partir du mois de décembre jusqu'à quand? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite. Une fois qu'on démarre, ça va exister jusqu'à l'infini pour le moment, ou bien jusqu'à la DXN décide, bon, le programme, il n'est pas tellement intéressant en ce moment, et on a développé un nouveau programme qui va substituer. Okay? Mais Ah, en très bien. principe, c'est vraiment à l'avenir. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps défini. Il y a pas Non. une limite désignée, quoi. Pas du tout, pas du tout. Très bien. D'ailleurs, l'idée serait comme je l'ai dit, on le démarre en France, mais on a tout un plan pour que au moins 10 pays de l'Europe, au mois de décembre, vont être inclus, et les mois de janvier encore, 10 autres pays. Finalement, à la fin des mois de février, toute l'Europe sera déjà intégrée dans les programmes. Et à partir de là, DXN va décider si ça va aussi s'expandre dans d'autres régions du monde. Ok, très bien. Merci, hein. Par vous. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, ma question, premièrement, est-ce que la personne qui est au-dessus de vous, donc qui m'a parrainé, par exemple, est obligée d'actionner son ASP pour que le mien, en fait, puisse aussi compter. Ceci Non, peut. Première non. question. Deuxième Oui. question. Comment doit-on actionner en fait l'ASP? Est-ce qu'on peut le faire sur eWord ou alors il faut appeler carrément l'Espagne? Première question, la personne qui est au-dessus, votre parrain direct, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que vous puissiez acquérir votre ASP. OK? OK. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, la seule condition, c'est que la personne ait un code. D'accord? D'accord. Alors, vous pouvez acheter et à partir de là, la procédure des bonus se génère. La personne sera compensée, elle va recevoir son bonus. Une seule condition, elle doit avoir fait ses 100 points. C'est D'accord. évident. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, pour que les paiements se fassent chaque semaine, il faut que la personne, au moment. Pendant la semaine d'achat, la personne ait fait déjà ses 100 points. D'accord. Imaginez-vous que la première semaine du mois de décembre, votre parrain direct ne fait rien. Vous achetez la première semaine du mois de décembre votre paquet ASP. Vous générez un bonus de 60% pour votre parrain direct, n'est-ce pas? Oui. Mais la personne n'a pas encore acheté ses 100 points. En ce moment, les paiements ne vont pas être la semaine qui suit. En ce moment-là, la société reste avec les bonus qui ont été générés et on va attendre jusqu'à la fin du mois. Si la fin du mois, à la fin du mois, la personne a fait ses 100 points, les bonus seront payés la première semaine du mois d'après. Vous voyez? D'accord. Comment on évite ça et quelle est la manière la plus intéressant de pouvoir activer les paiements hebdomadaires, c'est la première semaine, la personne qui vous a parrainé, elle achète ses 100 points. D'accord, dès la première semaine. La première semaine. Comme ça, j'ai déjà mes 100 points. Je sais que si la Bon, personne à qui j'ai parrainé achète un ASP, elle va produire les bonus de 60%, ces bonus de 60% va me tomber dessus. Elle achète la première semaine, vous achetez la première semaine aussi votre paquet ASP et la deuxième semaine, la personne va recevoir sa commission de 60%. Vous voyez? d'accord. Mais comme Mais j'ai dit, la commission ne se perd pas, c'est simplement on la paye la semaine qui suit ou sinon on la paye
les mois après, une fois qu'on a vérifié que la personne a fait ses 100 points pendant tous les mois. Mais je trouve qu'ici, vous touchez la chose la plus importante, monsieur, parce que c'est là où ça devient très dynamique. Imaginez-vous, la personne à qui je parrain, qui est en dessous de moi, elle achète la première semaine. La deuxième semaine, pourtant, comme j'ai activé mes 100 points, je reçois la commission. Et c'est une commission qu'il va recevoir rapide. Imaginez pour quelqu'un qui commence en train de faire l'activité le 1er décembre. Il est une personne qui vient de commencer. Il réussit à parrainer deux, trois personnes. Les deux, trois personnes, la première semaine, achètent des paquets ASP. Et cette personne qui a commencé l'activité le mois de décembre, le 1er décembre, le 2 décembre, les 12, 13, 14 décembre, va recevoir déjà sa première commission. Vous Oui, voyez comment c'est dynamique? OK? tout à Et fait. ça motive à la personne à faire de nouveau la même chose la deuxième semaine, de nouveau la même chose la troisième semaine, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on dit, on va pouvoir aider, parce que les incentives sont dans la direction d'aider chacun de vous à élargir les réseaux, élargir son réseau actif, élargir des nouveaux registres à l'avenir. D'accord? Ça, c'est Merci. pour la question numéro un. Et la question numéro deux, c'était, attendez, que ça Pour maintenant. le démarrage, en fait, concrètement, comment actionner Voilà comment actionner. Pour pouvoir faire la commande, il y a effectivement à eWorld, il sera mis en place la procédure pour pouvoir le faire directement sur eWorld. Vous pouvez le faire par eWorld directement vous-même, comme vous pouvez le faire en appelant les bureaux d'Espagne ou par WhatsApp en Espagne, par email en Espagne. C'est-à-dire, on a tous les canaux de communication ouverts pour faciliter que vous puissiez placer votre commande de la façon la plus confortable qui soit pour vous. OK? Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il y a encore des questions? Bonsoir, Monsieur Louis Santana. Je Bonsoir. vous remercie pour la présentation extraordinaire. En fait, moi, on peut dire que j'en ai plein de questions, mais pas vraiment des questions, mais j'en ai besoin de confirmation, en fait, de vous me dire Oui. si j'ai bien compris ou pas. Alors, en fait, au début, avant voilà, la conférence, j'ai noté, parce que j'ai pas compris, je suis nouvelle déjà dans l'entreprise. Et du coup, je suis tombée directement. J'étais en train de comprendre le plan marketing classique Oui. et en parallèle, en fait, avec la ASP. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, un nouveau membre, ça veut dire que, par exemple, en France, là, elle va commencer le 1er décembre. Ça veut Oui. dire que les personnes que je vais inscrire dans mon réseau à partir du 1er décembre, elles Oui. vont être des nouveaux membres, ils vont appliquer les conditions des nouveaux membres. Absolument. OK, là c'est clair. Et en fait, pour les personnes que en fait, chaque personne que je vais enregistrer, Oui. par exemple, ça va être dans le mois de décembre. Et si, par exemple, il va faire 50 points dans le mois de décembre et 50 points dans le mois de janvier, ça veut dire que ça ne se compte pas comme une personne pour valider, voilà, une personne parmi les cinq. Non. Les Si six. vous enregistrez une personne les mois de décembre et dans les mois de décembre, elle n'enregistre pas, elle n'accumule pas 100 points, cette registre ne va pas compter pour la qualification dont vous avez besoin après 3 mois. Vous voyez? Voilà, ça ne compte pas parmi les six personnes. Donc, il doit Voilà. Il les n'y points a, y ou a pas, y a pas, je vais souligner quelque chose. Il n'y a pas de problème si la personne ne fait pas les 100 points dans un seul achat. Il peut le faire dans deux ou trois achats. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous pouvez enregistrer quelqu'un les mois de décembre, la personne faire un achat initial de 20 points. Et les mois de décembre, faire encore un achat de 10 points. Et les mois de décembre, faire encore un achat de 30 points. Et les mois de décembre, faire encore un achat de 50 points. La totalité du mois de décembre, les mois dont la personne a été registrée, est plus grand que 100 points. Ça vous compte dans les six. Vous voyez? Je compte comme une personne pour ma qualification. Exact. OK, parfait. OK? Donc,
Pourquoi il peut les faire sur plusieurs commandes pendant le mois ou là où il était inscrit? Oui. La condition, c'est de faire 100 points dans les mois où il est inscrit. Okay? Pas Ok, parfait. nécessairement dans un seul achat. Non. On dit simplement 100 points pendant les mois qu'il est inscrit. Mais dans les cas que vous avez présentés, c'est-à-dire elle fait 50 points les mois de décembre et 50 points les mois de janvier, ça ne va pas compter. Ok, parfait. Okay? Et là, en fait, l'activation de la SPA pour la France, ça va être pour le mois de décembre, là, on est d'accord. Et par Oui. exemple, moi, si j'active pas, par exemple, la SPA, par exemple, tout simplement, j'ai pas le temps, j'ai des engagements pour le mois de décembre. Si je l'active, bah, par exemple, le mois de janvier, est-ce que je peux bénéficier des 60%, des 10% de mon réseau d'online? Vous bénéficiez même les mois de décembre. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit les mois de décembre, les mois de janvier, les mois de février. Les 3 premiers mois, vous allez bénéficier sans rien faire. Okay. C'est-à-dire, les conditions dont on a parlé, les 6 membres qui font 100 points, 6 nouveaux registres qui font chacun d'entre eux 100 points dans les mois de registre, ça c'est pour qualifier les 4e mois. Mais pour toucher des commissions qui vont être générées par votre downline, vous n'avez besoin qu'avoir votre code et que les gens qui sont dans votre downline font des achats des SP. C'est tout. C'est-à-dire, là maintenant, la France se lance le 1er décembre et vous, vous êtes occupé, vous ne faites rien. Okay? Soudain, vous allez découvrir que 3 personnes en dessous de vous, ils ont fait 3 achats ASP. Très bien. Ça va vous générer 3 fois la commission de 60% sur les montants, sur les SV qui sont, non pas les montants, mais les SV qui sont générés. D'accord? Comme vous n'avez rien fait, pour le moment, vous n'êtes pas en train de recevoir des commissions, mais à un moment donné, vous allez acheter vos 100 points, n'est-ce pas? Pour être actif, pour pouvoir recevoir votre commission. Toutes les commissions qui ont été générées vont être payées les mois d'après. D'accord? Alors, vous n'avez rien fait, mais vous êtes en train de profiter du programme. De la même façon, vous êtes en France, ou vous êtes, oui, en France, parce qu'on parle de la France, mais la personne qui vous a parrainé est une personne qui est au Maroc, ou qui est en Irak, ou qui est en Belgique, ou qui est au Pérou, pour mettre des exemples, où il n'y a pas pour le moment les programmes ASP. Néanmoins, parce que vous avez acheté, si vous achetez un paquet ASP, vous allez générer une commission pour cette personne, même si elle est au Maroc, si elle est au Pérou, en Irak ou en Belgique, dont les programmes n'est pas encore démarré. Vous voyez? Voilà, ils vont bénéficier, même si le programme n'existe pas dans ces pays-là, ils vont bénéficier Exact. de points avec les bénéfices de 70%, ça dépend des uplines. Exact. Ça dépend de où ils sont placés. D'accord? Okay. Il y a une condition très intéressante aussi qu'il faut qu'on puisse souligner, qui est la commission de 60% va se payer à votre upline dans la mesure que la personne a ses 100 points. Qu'est-ce qui se passe si à la fin du mois, la personne qui est au-dessus de vous, votre parent direct, n'a pas ses 100 points faits? Il n'est pas qualifié pour avoir la commission. Alors, dans ces cas-là, la commission ne vient pas à votre parent direct, mais comme lui, il n'est pas qualifié avec les 100 points, ça va monter au niveau des au-dessus. Et ça va monter au niveau au-dessus jusqu'à ce qu'on trouve la première personne qui a rempli la condition des 100 points dans les mois. Vous voyez? Et pas forcément que je dois faire, que je dois valider. Bah, par exemple, je donne un exemple qui est vivant. Par exemple, ma soeur, c'est ma downline et Oui. qu'elle a sa commande, elle a activé son ASP en fait en Espagne ce mois-ci, mais c'était le troisième mois, troisième semaine du mois. Elle a Oui. activé son ASP, elle a fait sa commande. Et moi, j'ai fait ma commande pour valider mes 100 points du mois. Elle Oui. a une semaine du mois. Donc, Oui. dans ce là, le système, il va dire, voilà, que à la fin du mois, j'ai fait mes 100 points, donc la qualification de 60%, ça va être à moi. Absolument. OK, pas forcément dans la même semaine que mon downline fait la qualification. Dans Sauf la si je même au bénéfice, peut-être.
Si, dans la même semaine, si effectivement l'achat des 100 points arrive au temps de voir le système que l'achat de votre sœur s'est passé au moment où vous étiez déjà, c'est-à-dire dans la semaine où votre sœur a fait l'achat, vous avez les 100 points de qualification. Sinon, ça va passer pour la fin du mois. D'accord? Ah ok, parfait. Mais dans tous les cas, en fait, les 60%, ça va être à moi. Ça va être à vous. Ah ok. La seule façon, ça va être à vous. Si le cas échéant, vous, à la fin du mois, vous ne remplissez pas la condition de 100 points, ça ne va pas aller chez vous, ça va aller chez votre parrain. Oui. Si votre parrain remplit la condition de 100 points, dans le cas échéant que votre parrain ne remplit pas non plus les 100 points, ça monte encore au niveau ensuite, vous voyez? Ah Ça va oui. continuer à monter autant de fois qu'on monte au niveau suivant et on trouve que la personne qui est en-dessus n'a pas ses 100 points. Ok, donc c'est la raison pour laquelle en fait que le apply indirect qui peut retirer ses bénéfices, bah, c'est dans chaque semaine, mais par Exact. contre, l'autre niveau, c'est par mois. Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est parce qu'on sépare les bonus de 60%, qui sont les bonus les plus importants, et on fait l'effort pour pouvoir bénéficier et payer les gens. Les bonus suivants, les bonus de 10%, 5% et 5%, qui en principe vont aller pas à votre parent direct, mais au niveau en-dessus, au niveau en-dessus, au niveau en-dessus, on les paye qu'à la fin des mois. Et on les paye à la fin des mois parce que justement, 10%, 5%, 5%, ce n'est pas aussi important que les 60% qui c'est vraiment la part du lion, si vous voyez, dans les systèmes de compensation de cet incentive. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ça va être trop des éléments pour notre système pouvoir les manager. Et on a préféré, bon, on les met avec tous les restes des commissions. À la fin des mois, on fait des calculs, le système va être calculé automatiquement. Ah, mais n'a pas besoin d'être aussi fait, en train de devoir faire des calculs hebdomadaires pour chacun de tous ces incentives. Vous comprenez? Okay. Bah, par exemple, en fait, si mes apply, c'est pas les upline, mais dans line, ils font bah, par exemple des commandes chaque semaine. Ça veut dire que je vais avoir un bénéfice de 60% de leur SV chaque semaine. Tout à Si, fait. bah, Tout à quel fait. est-ce que Si je dois. votre, imaginez combien de personnes vous avez direct sur vous. Combien de codes à ce moment vous avez direct sur vous? Oh, bah, j'ai deux personnes. Je suis nouvelle. Des personnes, OK, des personnes. Bon, imaginez un cas comme on a, dans la salle, il y a ces cas-ci, certainement, et même plus, mais imaginez une personne qui a direct 50 codes. OK? Ces 50 codes, imaginez-vous que les premiers mois ou la première semaine, 10 codes vont décider de faire des ASP. Si vous êtes qualifié avec les 100 points, ces 10 codes qui vont être générés, qui vont activer son ASP la première semaine, vont produire 10 bonus de 60% pour vous, des ASP. Okay? Et ça va être payé la deuxième semaine. Mais vous avez encore 40 autres personnes directes sous vous. Et ces 40 autres qui peuvent faire la deuxième semaine, 10 autres, la troisième semaine, 5 autres, et ainsi de suite. Et en plus de ça, vous avez aussi les nouveaux membres que vous êtes en train d'enregistrer. Et pourtant, ça va non pas seulement parce que finalement, un ASP, c'est une fois dans la vie. Si vous avez deux personnes, vous pouvez avoir de ces deux personnes qui est un ASP chacun. Vous voyez? Alors, vous allez finir rapidement. Deux personnes, bon, des ASP. Mais non, parce que vous pouvez élargir au fur et à mesure que vous êtes en train d'enregistrer de nouvelles personnes dans votre système. OK? Ok, parfait. Et j'en ai besoin en fait d'une autre confirmation pour le ASP. Quand vous dites Dites-moi. l'achat Dites-moi. d'un forfait à ASP et le double des points Oui. pendant les 3 premiers mois de lancement du système dans un pays X, dans notre cas, c'est la France. Exact. Donc, là, par exemple, moi, si j'active mon ASP en mois de décembre, dans ce cas-là, je vais avoir double des points avec le bénéfice des 10% lors des 3 ans. Oui. Donc, ce forfait-là, est-ce que voilà, j'ai le droit de le faire que, par exemple, une seule fois ou à chaque fois quand je fais une commande,
je vais bénéficier de double des points avec le... Ah, voilà. C'est clair. Combien d'ASP on peut faire? Une seule fois dans la vie. Et il faut Voilà. garder une condition. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire qu'il y ait un ASP. Alors, pendant les 3 premiers mois, les jours que vous décidez de faire votre ASP, que c'est une fois dans la vie, puisque vous allez acheter dans les 3 premiers mois, les points vont être comptés double. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça la raison de cette webinaire, parce que même les gens, quand ils ont compris plus ou moins c'est ce que c'est les ASP, des fois, parfois, on a vérifié ça même en Espagne, et on a déjà en train de finir notre premier mois, les gens n'ont pas compris la profondeur de ce que les bénéfices des ASP proposent. C'est pour ça que j'ai bien tenu à faire cette webinaire pour éclaircir. Parce qu'il y a des gens, et je vous explique des cas qu'on voit souvent ici, et on insiste et on pose la question et on essaie d'éclaircir des gens qui nous appellent et qui disent, bon, je vais faire mon ASP. Donc, très bien. Elle dit, je vais faire un ASP de 100 points. Et on dit, madame, vous voulez faire un ASP de 100 points? Vous ne voulez pas réfléchir là-dessus? Vous ne voulez pas faire un ASP optimal, parce que 100 points, vous êtes en train de consommer la seule opportunité que vous avez de faire un ASP, une fois par vie, avec 100 points. Si vous le faites plus stratégiquement, vous pensez, moi, je consomme ce genre de produit, je sais que je vais consommer, imaginez-vous, 50 points, 100 points par mois. Je me dis pourquoi je ne remplis pas la condition de rassembler tous mes besoins des prochains 2, 3 mois. Je les achète ensemble, j'ai fait un achat des 1SP pour 500 points, pour 300 points, dont la société va me considérer, va comptabiliser comme si c'est 300, 600 points, si c'est 500, 1000 points. Vous voyez? Oui. Alors, en OK? fait, l'ASP, on l'active qu'une seule fois dans notre vie. Ça veut dire qu'on achète un forfait, on On a les deux achète boutons. quatre. Une Oui. seule fois dans la vie, ça veut dire qu'on achète après pendant les 3 mois, on n'a pas les deux points. Oui, à partir de 3 mois, vous n'avez pas les bénéfices de double point, non. OK, Ah, c'est qu'une seule. les mois de la France, la France qui commence le mois de décembre, c'est-à-dire décembre, janvier, février, les mois de mars, vous pouvez continuer à acheter ASP comme vous voulez, bien sûr. Les gens peuvent continuer. Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure combien ça dure le programme. Le programme dure à l'infini. Les gens qui n'ont pas encore acheté son programme, son paquet ASP, peuvent venir dire je vais un paquet ASP, mais ça ne sera pas considéré comme double point. Simplement, ce sera un ASP qui va générer à son upline 60% de commission, 10% pour les upline ensuite, 5% pour l'upline ensuite et 5% pour les upline ensuite. OK? Ok, mais le double de points, en fait, c'est juste, j'ai vraiment besoin que ça soit vraiment clair et net dans ma tête. C'est que vraiment qu'une seule fois le double de points lors de la première commande pour activer la ASP. Quand vous dites lors de la première commande, OK, C'est-à-dire que quand j'achète forfait pour la. quand vous dites lors de la première commande ASP, ça Ouais. pourrait suggérer qu'il y a la possibilité d'avoir une deuxième commande. Il n'y a pas. Chaque Oui. personne peut acheter qu'une fois. C'est-à-dire, Oui. votre commande ASP, comme elle est faite pendant les 3 premiers mois, les points seront considérés doubles. Ah ouais, parce qu'en fait, OK. moi, je l'ai mal compris parce que moi, je l'ai pris comme si, Bien bah, par sûr. exemple, j'active l'ASP et, bah, par exemple, les conditions, je le Oui. maintiens pas, ça veut dire que je n'aurai pas la possibilité de réactiver encore une deuxième fois. Voilà, ça c'est clair. Et par exemple, si je maintiens pas, voilà, c'est dans ce sens-là, si je maintiens pas les conditions de l'aspect, Oui. est-ce que peux en avoir toujours le droit de récupérer pour chaque commande les 10% de ma première commande de l'aspect? Si, complètement. La seule chose, c'est que une fois que vous êtes expulsé du programme, vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir vous maintenir dans les programmes. La seule Oui. chose, c'est que vous n'avez pas à voir les gens qui vont acheter ASP, ils vont pas, les bonus ne vont pas générer, il va pas tomber chez vous, les 60%. Mais votre solde que vous avez, ça, vous l'avez pour 3 ans. C'est-à-dire, ça va, c'est à vous. Ça, c'est dès le moment que vous achetez, vous gardez la solde pour vous.
il n'y a rien, il n'y a pas une condition pour maintenir ce solde. La solde est à vous et ça va être fait la remise à chaque achat à l'avenir pendant 3 ans à raison de 10% de votre achat. OK? Ah, ok, parfait. Ça veut dire que je vais recevoir en fait mes 10% pour chaque commande comme promotion, voilà, pour chaque commande, jusqu'au moment d'accumuler en fait, voilà, de récupérer. Et c'est en Oui. fait la 10%, est-ce que c'est sur le SV ou sur la totalité, le prix de la commande? Non, non, Ça, les c'est... prix de la commande. Ah, sur le prix de la commande, ça c'est parfait ça. Okay. Les SV, c'est simplement un élément qu'on considère pour calculer les bonus. Ici, on parle des. On achète, je l'ai dit tout à l'heure. Faisons un exemple numérique, comme ça, on va être plus clair là-dessus. Vous achetez un SV pour 500 euros. Vous recevez 500 euros un produit, ça c'est chez vous. Vous avez les produits déjà. Chez nous, vous avez une solde de 500 euros à pouvoir escompter à l'avenir à chaque achat que vous faites. Et vous pouvez les escompter pendant 3 ans. Vous avez 500 euros disponibles. Imaginez, vous achetez pour 300 euros. Bon, 10% de 300 euros, c'est 30 euros. On retire des 500 euros que vous avez comme solde, 30 euros. OK? C'est La parfait, ça. solde reste 470, n'est-ce pas? Ah bah parfait, ça. Ça, c'est une très Et bonne ainsi nouvelle. de suite, jusqu'à ce que la solde est éliminée dans les 3 ans à partir de la date que vous avez acheté les SP. Ah bah parfait. Alors, si vous me permettez, j'ai encore des questions. Je vous permets. Pardon. J'espère que toutes les questions que vous êtes en train de poser sont en train aussi d'éclaircir tous les gens qui sont dans l'audience. J'espère aussi. Bah, alors, en fait, quand on a les. Par exemple, si on ne maintient pas le aspect, Oui. est-ce que pour nos downlines, est-ce qu'on continue à bénéficier des 60%, des pourcents, 5, ça dépend des niveaux? Ou ça va t'arrêter le moment qu'on ne maintient pas les conditions de l'aspect? Vous êtes en train de parler de qui? Parce que si vous ne maintenez pas les conditions de ASP et vous êtes expulsé du programme, à ce moment-là, toute l'activité qu'il puisse avoir dans votre downline va pas être considéré comme ASP pour vous parce que vous êtes expulsé du programme. Ah oui, donc je OK? bénéficie de 60%, même si mes downlines, ils maintiennent les conditions de l'ASP. Bien Pour que je sûr. puisse bénéficier, je dois maintenir aussi les conditions. Bien sûr, bien sûr. Quand on parle des conditions, c'est les conditions pour la personne pouvoir bénéficier de ces bonus qui se génèrent, qui se gèrent à partir de mon downline. Ah bah ça c'est de... Oui, c'est normal. Ben, oui, exact. C'est comme vous le dites, c'est des win-win. Ouais, c'est juste, voilà. Et OK. est-ce que... On combine entre les bénéfices de l'ASP avec les bénéfices, avec les différents, comment on l'appelle en français? La différence de pourcentage avec mes downlines. Non, 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 non. L'ASP, c'est un bonus direct chez vous. Et c'est 60% et c'est tout. Et Ah oui. vous avez vos directs qui vont générer ces bonus pour vous. Et si vos directs achètent un paquet ASP, les volumes des SV qui va se gérer, qui va se créer, va être considéré pour vous, qui êtes les parents directs, avoir les 60%. Ah ben c'est super ça aussi. OK? Et alors, donc ça se on peut dire ça se cumule avec le plan marketing Tout à fait. tunnel au normal. Tout à fait. Peut-être que j'ai une dernière question. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Comme ça, je laisse l'opportunité pour les autres OK. participants. OK. Par exemple, moi, j'ai passé, voilà, quand j'ai passé la commande à Aspect pour ma sœur Oui. qui est en Espagne, c'est madame Line, et en fait, il n'y avait pas tous les produits que je voulais faire, que je veux, voilà, commander. Ils m'ont dit, voilà, pour activer l'Aspect, il faut commander de l'Espagne. Oui. Et je me pose la question, là, quand je veux faire ma commande en France, voilà, pour activer mon ASP, vu que moi, je suis inscrite en France, est-ce que je peux faire ma commande en Malaisie parce que ça va être le même problème? J'en ai besoin des produits qui n'existent pas en Non, France ni en non, Espagne. non, non, Donc, non. toujours, je dois faire une commande en Espagne. Ça n'a rien à voir avec l'ASP, ça a à voir avec les normes and regulations, the rules and regulations de la société. Quand
un territoire, et dans ce cas-ci, le territoire de la France, est servi par une branche d'IXN Ouais. et la France est desservie par l'Espagne, c'est-à-dire l'Espagne est responsable de servir les marchés en France, Espagne et en Portugal. Tous ces trois pays doivent être servis par la branche d'IXN Espagne. Quand ça, c'est quand il existe une branche, vous ne pouvez pas acheter des produits dans d'autres pays, sauf si les produits n'existent pas. Okay? C'est-à-dire, on ne peut pas aller acheter en Malaisie ou ailleurs, en Turquie ou au Maroc, n'importe où. Bien sûr, vous avez tous les droits d'aller dans les pays et acheter, mais quand vous voulez des produits dont les produits existent en Europe, et dans ce cas-là, dans la branche espagnole, on ne peut pas aller acheter les mêmes produits ailleurs. C'est contre les rules and regulations. Okay? Il y a des gens qui le font d'une façon, disons, pas en train de suivre les rules and regulations, mais ça puisse avoir des conséquences à un moment donné. C'est-à-dire, quand on voit des codes et que systématiquement on est en train de faire quelque chose pareil, parce que je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de produits dont on n'a pas, parce qu'il y a des produits qui, pour le moment, on n'est pas en train de commercialiser en Europe. Pour Oui. ça, il n'y a pas de problème. On peut acheter où on veut, puisqu'on n'a pas les produits en Europe. Mais si on a les produits ici, il faut l'acheter de la branche. OK? Moi, j'ai vu déjà en fait le catalogue parce qu'en fait, je veux bénéficier, je veux faire une grosse commande, bien sûr, Exact. pour. Non, et en plus de ça, c'est-à-dire la Malaisie, mais vous allez, si vous achetez des produits qui ne sont pas sur place et vous voulez acheter en Malaisie, les SP, ils ne peuvent pas les considérer parce qu'ils ne font pas partie du programme. C'est-à-dire, vous faites un achat complètement différent. Ah oui, mais dans ce cas-là, ça ne va pas dans ma commande là, et donc c'est comment Exact. je suis obligée Exact. voilà, de commander Oui. ce qu'il y a dans le catalogue de l'Espagne. Oui. Si vous voulez avoir une commande ASP, L'Espagne. comme vous avez fait, comme vous avez vu, c'est dans chaque pays. Parce qu'en plus de ça, si vous êtes en France, c'est l'Espagne qui vous servit en France. Mais en plus de ça, c'est notre côté des registres qui est versé vers la France qui puisse faire ça. Parce que une fois que vous avez la solde, pour pouvoir escompter ça, vous pouvez qu'escompter chez nous. Il n'y a pas d'autre. Okay? Ouais. Vous ne pouvez pas prendre un ASP en France et dire, là maintenant je suis au Maroc, s'il vous plaît, escomptez-moi 10% de mon achat parce que j'ai une solde. Non, cette solde est peut-être seulement escomptée dans les pays où vous êtes participant du ASP. OK? Alors, pour ce point-là, si j'ai bien compris, ça c'est pour mes prochaines commandes. Voilà, pour bénéficier des 10%, je dois faire toujours mes commandes en Espagne. Exact. Voilà, pour récupérer les 10% à chaque fois. Exact. Ah, ok, parfait. OK. Parfait. C'est très bien. Je vous remercie énormément. C'était Avec plaisir. Avec chouette. plaisir. Très bien. Merci. Je reste avec vous, voilà, mais je laisse la parole pour les autres participants. Je suis désolée si j'avais plusieurs questions. C'est bien, c'est bien. Je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque question n'est pas seulement pour la personne qui est en train de poser la question, mais ça éclaircit énormément de personnes parce que probablement beaucoup d'autres ont des besoins d'éclaircissement là-dessus. Il y a encore d'autres questions dans les groupes, dans ceux qui restent dans la salle encore? Oui. Rebonsoir. Monsieur Brahim. Ah, il y a une dame, je Bonsoir. crois. Il y a une dame. Il y a une dame qui veut poser des Il y a questions, une je dame, crois. alors, Je veux la qui n'apprenait laisser. pas? Ah, merci. Merci. Ah, L'honneur aux femmes. bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On parle français ou espagnol? Ben, il est mieux pour tout le monde qu'on puisse parler français, parce que ça, avec plaisir, Loïda, je pourrais parler espagnol, mais ça sera qu'entre nous. Il y a des gens ici qui sont... Ils sont parce qu'on fait les webinaires en français. Ah, d'accord. Je voudrais savoir, bon, je dis bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à tout le monde. Et j'avais une petite question, c'est par rapport à les discounts, los Oui, descuentos. oui.
No entiendo un poco eso. Je n'ai pas compris très bien ça. Comme système. Comment c'est le système de... On va simplifier. Vous achetez pour 100 euros Oui. un paquet ASP et vous avez une solde de 100 euros pour vous. Vous recevez les produits pour une valeur de 100 euros, ça c'est votre achat, c'est que vous avez acheté. Imaginez que vous avez acheté 6 paquets de café ou une spiruline et 5 savons, n'importe quoi, mais ça, l'achat total, supposons que c'est 100 euros. D'accord? Avec D'accord. ces 100 euros, vous restez avec une solde de 100 euros qui vous appartient. C'est-à-dire, la prochaine fois que vous allez faire une commande, imaginez que vous achetez une commande encore, une autre commande qui ne sera pas ASP parce que l'ASP, vous l'avez déjà fait. La commande est une commande de 100 euros de nouveau. OK? Mais vous avez une solde de 100 euros que vous pouvez escompter de votre commande. Comme la nouvelle commande est une commande de 100 euros, vous pouvez escompter 10%. C'est-à-dire, vous pouvez escompter, utiliser de la solde que vous avez disponible, utiliser 10 euros. OK? D'accord. Alors, vous allez payer pour la commande qui vous coûte 100 euros, vous allez payer 90. Et la solde que vous avez, avec 100 euros, on vous a retiré de la solde 10 euros. La solde reste avec 90 aussi pour votre prochain achat. Okay? Vous D'accord. achetez les mois d'après 200 euros. Et vous dites, je vais faire descompter ma solde. J'ai une solde encore disponible. Okay. D'accord. L'achat de 100 euros, vous pouvez escompter que 10%. 10% de 200 euros, 20 euros. Okay. Alors, vous allez payer pour 180. Et de la solde que vous aviez, de 90, on retire les 20 euros qu'on a utilisés. Vous D'accord. voyez? Et Oui. ainsi de suite, jusqu'à ce que la solde est réduite à zéro, ou jusqu'à ce que vous, vous dépassez les 3 ans de validité. D'accord? D'accord, bien compris. Ok, Et parfait. combien, je voulais savoir quels sont, combien de commandes je dois faire pour avoir les 100 points chaque mois. Attendez. Pour faire les 100 points, vous pouvez le faire comme vous le voulez. D'accord? Mais pour l'ASP, si vous voulez faire l'ASP, que vous pouvez faire ASP une fois dans la vie, le minimum des points au moment de l'achat, c'est 100 points. Il n'y a pas de moins de 100 points. Vous voyez, l'ASP, c'est un paquet qui commence avec 100 points. Vous voulez acheter quelque chose de moins de 100 points, on ne peut pas faire un paquet ASP. Okay? Si vous voulez acheter 3 savons et un café, que c'est moins de 100 points, ça ne rentre pas dans un achat ASP. Si vous voulez acheter un achat d'ASP, il faut que vous mettez des produits qui représentent un minimum de 100 points. Il n'y a D'accord. pas de maximum. Vous pouvez acheter 10 000 points si vous voulez. Vous pouvez acheter 20 000 points. Mais les minimums, ça doit être 100. Un point, d'accord. OK? Ok, bien compris. Vamos a savoir aussi si qu'il y a des locaux dans Chili. C'est qu'il y a des Locaux. Est-ce qu'il y a Magasin. un magasin pour Des... un distributeur en Chili? Au Chili, Oui. certainement il doit avoir, mais pour pouvoir vous donner de l'information, il doit repérer exactement qu'est-ce qu'il y a et où il s'est placé. Mais certainement il D'accord. doit avoir, certainement il doit avoir. D'accord, parce qu'ici, j'avais affilié quelqu'un qui est chilien de Chili. Ah, super, super. Oui, il voulait faire, comment ça disait, la... C'est comment? Non, il voulait faire l'affiliation à sa maman au Oui, Chili. oui. Il y a des amis qui voulaient commencer à boire le Consommer. café, à la consommation du café, parce qu'elle a vu que c'est très, très, très un bon produit. OK. Et c'est pour ça qu'elle s'inquiète s'il va pouvoir inscrire sa famille d'abord et après, comment est-ce qu'ils vont faire pour chercher le produit, c'est ça qui... OK, je vais vous donner les renseignements une fois que je l'ai et je vous informe. OK? D'accord, ok.
Encore des questions sur les SP, s'il vous plaît, pour vraiment bénéficier tout le monde des Bonsoir. Bonsoir, allez-y, madame. Bonsoir, Louis, c'est Khadija. Ah, c'est Khadija. Bonsoir, Khadija. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Merci pour ces explications, c'était très clair. Et merci à la personne qui a posé toutes les questions qu'il fallait. Et j'écoutais attentionnellement, c'était vraiment très bien. Toutes les Exact. questions, et je la remercie. Je ne sais pas son prénom. Elle a fait votre travail. Voilà, j'ai écouté toutes les questions, elles étaient là, mais c'était très bien. Alors, moi, ma question, c'est par rapport quand on fait les achats par eWorld Oui. et qu'on paye par ePoint. Oui. Alors, les 10%, est-ce qu'il y a une rubrique où il faut mentionner ou ça se fait automatiquement ou il faut le dire pour que ça soit réduit? Pour escompter les 10%. Oui. Oui. Ça, vraiment, c'est une bonne question. Je ne sais pas vous donner l'information spécifique parce que je dois voir comment c'est établi dans l'e-world. Ce que je ne sais pas, c'est comment ça se passe dans l'e-world. Je vous dis, pour faire, même si vous voulez payer avec les e-points, imaginez-vous, vous voulez acheter pour 150 euros, vous payez avec d'abord les discounts de 10%, on réduit 15 euros, c'est-à-dire vous devez payer 135, et à ce moment-là, vous appliquez en 10 points ce que vous voulez appliquer. Mais vous êtes en train de poser la question de comment ça se passe dans les e-wells exactement, si c'est Oui, parce que automatique oui, ou il voilà, faut moi éclaircir. Alors je. ça, permettez-moi que je prenne ça pour voir exactement comment ça se passe. Très Les bien. web, OK? Merci. Merci. Parce que je sais que pour le DSP, il fallait à chaque fois le dire. Oui. OK. OK. Merci, Très Khadija. bien. Merci, Louis. Qui voulait poser des questions encore, s'il y a Oui, quelqu'un? c'était moi. Ah C'était oui, moi monsieur Brahimi. que j'ai cédé la À main la aux dame, femmes, oui. comme on dit toujours, l'honneur aux femmes. Alors, Vraiment, vraiment un très chevalier. merci, c'est gentil. Alors, ma question, ça concerne l'ASP. Ça veut dire. Les 3 mois qui se suivent là, Oui. on a le droit de acheter qu'une seule fois. Ça veut dire, au mois de décembre, si j'achète par exemple une somme, ça se passe en ASP. Mais au mois de janvier, est-ce que je peux racheter encore et ça va passer encore en ASP ou non? Non, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai bien compris. C'est tout ce que je voulais Exact. savoir. C'est très bien, merci. Vous n'avez droit qu'à un SP, un code à un SP. Ouais, ok. Il n'y a pas la possibilité d'acheter ensuite un autre SP. Non, c'est il n'y a que un SP Par code. dans la vie d'un code. Très Okay. bien. Ça veut dire, si on a 3 codes, 2 codes à la maison, ils peuvent tous bénéficier de Bien ces sûr, offres-là. absolument, absolument, Ces offres-là. absolument, justement, oui. Et très bien, très bien. Ben, je voudrais bien remercier la fille ou la dame de tout à l'heure qui a posé tellement de questions et elle a fait le travail pour tout le monde. Exact. Et je la félicite. Et c'est très, très bien parce que moi aussi j'ai des questions comme ça à poser. Mais comme elle était déjà engagée, ça nous fait plaisir, quoi. Impeccable. Parfait. Merci à vous. Merci, très bien. Merci, Monsieur Ibrahim. Allez, bonne soirée et Bonne soirée. bon courage. Merci. Il y a encore quelqu'un qui est intéressé à poser des questions? On a satisfait tous les points Monsieur, salut. de Safi. Oui, salut, monsieur, salut. Salut. Oui, Bonsoir. salut. Bonjour. Bonjour, Safi. Bonjour et salut, salam alaikum. Alaykoum salam. Oui, je suis de l'Algérie. Et le sponsor, c'est Soumia Boukhalfa. Bon, une question. Nous, on est dans le système malaisien. On est inscrit dans le système malaisien. Oui. Et lorsqu'on
on recrute un membre de l'Espagne ou de la France, alors là, on bénéficie les 60% de lui. C'est ça. Exact. Dès qu'il aura activé l'ASP. Je vais vous donner Alors. un exemple facile. Vous êtes les parents de quelqu'un qui rentre aujourd'hui en Espagne. On rentre en France à partir du 1er décembre. Peu 1er importe. décembre, c'est ça, oui. Okay? Mais Et on doit vous êtes acheter, les oui, parents on doit directs. acheter de l'Espagne. Oui. Vous êtes les On parents doit acheter directs. de l'Espagne. Okay? La personne achète, je vais vous donner un exemple qu'on a eu. Okay? Elle achète une somme de 1 000 euros. Oui. Okay? Ça va donner plus ou moins 600 SV. SV, 600, oui. Okay? Vous allez toucher la semaine qui suit 60% de ces 600 SV, c'est-à-dire 360. Et lorsqu'on parraine, lorsqu'on trouve un autre membre, il doit activer un autre membre de l'Espagne ou de tout le monde de l'Algérie ou du Maroc ou de la Tunisie ou bien uniquement de l'Espagne. Vous pouvez enregistrer ce que vous voulez, où vous le voulez. Voilà. Mais ça, c'est pour enregistrer. Mais pour bénéficier du ASP et du bonus, les gens peuvent acheter que dans les pays où les ASP existent. Existe. C'est-à-dire, vous, en tant que parent, il n'y a pas de problème, vous allez recevoir les commissions qui se génèrent vers le haut. Mais la personne, elle s'enregistre, elle est registrée, elle habite en Algérie, son code dépend de la Malaisie, elle ne peut pas acheter des ASP en Espagne. Vous voyez? Oui. Okay. Elle ne peut pas acheter un ASP en France. Non, parce que les codes n'est pas de la France. Pour pouvoir acheter un ASP, il faut que les codes soient de la France. De code de la France, c'est ça, Oui. c'est bien Pour pouvoir précisé. acheter un ASP, il faut que les codes soient d'un pays où il y a les ASP déjà démarrés. En tout cas, l'Espagne, par exemple, c'est un pays. On a démarré le mois de novembre, pourtant, si un code s'enregistre en Espagne, ces codes-là peuvent acheter son aspect quand il veut. Ok, bien, OK? bien, bien. C'est ça. Merci. Merci, Merci. monsieur. Je vous Merci remercie à vous. bien. Je vous Merci. remercie l'ensemble des participants. Parce que dorénavant, on parle toujours en arabe. Oui. Mais c'est la première fois que la conférence se fait en français. Voilà, C'est la première fois. c'est pour ça que j'ai tenu à cœur de le faire. De toute façon, je vous remercie. Je vous remercie tous les dames qui sont avec nous. Et salut, salut. Choukran. Ah, choukran. OK, d'autres questions? Il y a moi encore. C'est Oui, encore. allez-y, allez-y. Non. On voulait savoir qui est la dame qui avait posé autant de questions, mais non, tout laissé à what if. Et encore, elle pose encore des questions. Pour les personnes, voilà, pour la qualification de l'ASP, on a besoin d'inscrire en fait au bout de 3 mois. Pour les anciens, ça fait 6 personnes. Et voilà, les nouveaux, c'est 5 personnes au bout de 5 mois. OK. Donc, est-ce que, voilà, les 100 points que ces personnes-là, pour ma qualification, ils doivent faire les 100 points lors du mois où ils sont inscrits. Est-ce que c'est pour le mois où ils sont inscrits ou ils doivent aussi maintenir les 100 points chaque mois pour que je puisse maintenir aussi ma qualification à ASP? Ou c'est juste Non. l'inscription? Non, c'est des choses. Ah, des choses différentes. Les 100 points au moment des registres, pas au moment, au mois du registre, Oui. c'est une condition pour vous. OK? Qu'il fasse, vous registrez la personne, elle se registre, et pendant les mois, quand il s'est registré, elle doit faire 100 points. Les 100 points personnels que la personne fait, Download. ça va être que pour elle pouvoir toucher ses commissions à elle. OK? Mais ce sont des choses différentes. Une, c'est les conditions que vous devez remplir pour pouvoir maintenir votre appartenance au programme. Et l'autre chose, c'est
la personne nouvelle qui vient de rentrer, qu'elle doit faire ses 100 points si elle veut avoir touché des commissions quelque part. Ah ok, bah, en fait c'était juste quand je lis la phrase, j'avais besoin en fait de cette clarification. Parce que quand je lis à partir du quatrième mois, au moins trois nouveaux enregistrements directs avec un minimum de 100 PV chacun par mois. Ça veut dire, chaque mois, ça veut dire le mois, ça concerne juste le mois d'enregistrement de ce nouveau membre. C'est particulièrement ça, c'est... Pour compter les nombres de registres que je dois avoir pour pouvoir continuer dans le programme, les deux conditions, c'est la première, qualifier, registrer trois personnes, mais ça ne vaut pas qualifier une personne qui n'a pas de points. Il faut que la personne fasse dans les mois quand elle a été registrée 100 points. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pas nécessairement dans un achat. Elle peut le faire dans 5 achats, 2 achats, 3 achats, 10 achats, peu importe. Mais dans les mêmes mois de registre, elle doit faire ses 100 points. Dans ce moment-là, à ce moment-là, elle compte pour vous comme une personne de ces 3 personnes que vous avez besoin. Et vous devez trouver 2 autres pour avoir à la fin des mois 3 personnes qui remplissent toutes les conditions. Et ça vous qualifie à vous pour continuer dans les programmes et pourtant toucher les commissions que ça génère. D'accord? Après, en fait, le mois d'après, ça ne me concerne pas si lui, il ne fait pas ses 100 points pendant le mois. Si lui, il ne fait pas ses 100 points, ça n'a rien à voir par rapport à vous, parce que ça, c'est simplement la condition pour lui de pouvoir toucher ou pas des commissions. Parce que si lui, il ne fait pas ses 100 points, il y a pas des commissions qui vont aller chez lui. Ah, bah parfait. Parfait. Okay. Bah, merci beaucoup. C'est super. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, j'avais vu quelqu'un d'autre qui avait aussi posé la question. Qui voulait poser bonsoir, M. Louis. C'est moi. Bonsoir. Swad. Comment allez-vous? Ça va, de là. Ça va, merci. Je me réjouis de vous voir, de vous revoir. merci beaucoup, monsieur. Je veux juste poser une question, s'il vous plaît, par rapport à les produits. Oui. Est-ce que c'est à nous de choisir les produits ou... C'est un pack déjà après. J'ai vu sur Facebook, il y a des packs. Je ne sais pas, est-ce que c'est à nous de choisir Ça, c'est une des choses la plus intéressante de ce programme, c'est que c'est un pack que vous, avec toute votre liberté, vous allez former. D'accord. Chacun décide les produits qu'il va mettre dedans. Et je le dis, des exemples extrêmes pour que les gens puissent comprendre. Je vais faire un pack de 2000 euros en café, black coffee. Je ne vais rien acheter que black coffee. Oh okay. Non, je vais acheter que de la spiruline. 800 euros de spiruline. Ou je vais acheter les spirulines et les cordyceps. Vous voyez? C'est ça qui est super. Vous n'avez pas de limites dans votre liberté ou choisir les produits que vous êtes intéressé à acheter. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci Swad. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci. OK. Tout le monde est satisfait? Tout le monde n'a plus de questions? OK, parfait. Bon, je me réjouis, c'est vraiment bien. On a été très efficace. Finalement, on a fait. J'ai juste une petite question. Monsieur Karim qui a une question. Okay. Allez-y, monsieur. Oui, c'est très bien clair. Donc, pour l'ASP, c'est un seul achat. Par contre, pendant les 3 mois, concernant les points, vous confirmez que il y a un doublement de points pendant les 3 mois. Oui. Pour les tout futurs achats, quoi. Tout achat. Non, pas tout futur achat. Pour les achats ASP. C'est là la distinction, c'est-à-dire quand je dis qu'il y a une période de 3 mois pour pouvoir considérer double les points, il faut joindre ces concepts avec l'idée de il y a qu'un achat ASP par code. Oui. Okay? Alors, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, chacun va décider quel est les moments meilleur pour faire son achat ASP. Mais il est clair que moi, je vois que je dois faire mon achat ASP pendant les 3 premiers mois parce qu'il va avoir le double des points. Okay?
tous les une fois que j'ai consommé mon ASP, il n'y a pas la possibilité de continuer à faire de nouveau ASP. Alors, oui. Tout achat futur ne rentre pas dans l'ASP, c'est un achat normal. La seule chose, c'est que dans l'achat normal que vous allez faire, vous pouvez escompter, vous pouvez faire une remise de 10% du valeur de l'achat. Donc, sur le solde que vous avez disponible. D'accord? D'accord. Donc, le doublement des points est lié uniquement à l'achat, au principal achat ASP, quoi, au déclenchement de l'ASP. Si je fais par exemple mon achat ASP en décembre, par exemple pour janvier et février, les achats seront des achats que ça rentre dans, bien sûr, dans, en attendant de confirmer la condition ASP, les achats de janvier et février ne seront pas doubles, seront normaux, quoi. Tout achat. Il aura des achats, mais pas votre code. Votre code a déjà acheté les droits que vous avez d'avoir un achat ASP. Oui. Mais il aura des gens en dessous de vous, oui. Okay, direct ou même dans d'autres niveaux en bas, qui vont faire les rachats parce que chacun va acheter son achat des ASP quand le moment soit le meilleur pour la personne qui vient faire l'achat. Alors, d'accord. Vous allez bénéficier du ASP tout le temps, mais vous pouvez faire qu'un achat des ASP, un seul. D'accord. Okay. D'accord. OK. Et merci, comme vous le dites très bien, c'est pendant les 3 premiers mois que vous allez comptabiliser les points doubles. C'est-à-dire, vous, Monsieur Karim, vous voulez acheter un ASP de 300 points. Si vous achetez, parce qu'il n'y a personne qui vous oblige à acheter pendant les 3 premiers mois, si vous achetez ça dans les mois 9e, okay, parce que pour pouvoir acheter un ASP, la seule chose qui, comme condition, c'est d'avoir un code, vous pouvez acheter ça d'ici 10 mois. Ça démarre en France le mois de décembre et vous décidez de faire votre premier achat ASP le mois de juin, par exemple. OK? Oui, oui. C'est votre droit. Il n'y a personne qui vous oblige de le faire avant. La seule chose, c'est que comme c'est en dehors des 3 premiers mois, les points que vous allez générer à ce moment-là, ça sera reconnu comme les points. Vous avez acheté pour 300 points, vous n'avez que 300 points. Et sinon, si vous achetez pendant les 3 premiers mois, les 300 points vont être comptés comme 600 points. D'accord. Okay? À vous et à votre upline, parce que dépendant où vous vous placez dans les réseaux d'Excel, si vous êtes membre, vous avez 600 points pour vous, mais la personne qui est au-dessus de vous est membre aussi, elle va avoir 600 points de vous. Et la personne qui est au-dessus, si elle est un membre, elle n'est pas encore star agent, elle va avoir ses 600 points à compter. Et ça cumule pour que les gens puissent passer rapidement pour les nouveaux suivants des membres à star agent, à agent étoile. D'accord? D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien. OK. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'elle a été extrêmement efficace. Avec ce travail ensemble qu'on a fait pour comprendre mieux la profondeur et les bénéfices potentiels que ces programmes invitent à pouvoir obtenir. Et moi, je ne souhaite que d'abord vous désirer à tous une très heureuse fin de journée, fin de soirée déjà, pour les peu qui restent, et beaucoup de succès avec votre programme ASP. Pour vous-même et pour vos downline, pour votre réseau, parce que je crois que vous allez vraiment être surpris de voir quels sont les bénéfices et les résultats que vous pouvez obtenir. OK? Merci beaucoup à tous. Inch'Allah, merci. Bonne soirée et grand merci à tous. Shukran. Merci bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Passez-vous une bonne soirée. À la prochaine. À bientôt. Buenas noches. À la prochaine. Buenas noches, Loida. À la próxima. Merci. Buenas noches. Buen fin de día. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Vous m'entendez, j'ai une question, si vous me permettez. Je ne vous permets pas. Dites-moi. Je suis désolée de vous embêter avec mes questions, mais voilà. Non, je... vous ne m'embêtez pas, vous ne m'embêtez pas. Mais là, maintenant, on a clôturé les webinaires. Dites-moi, je vais rapidement répondre à votre question si je suis à mesure de pouvoir le faire. Dites-moi. Vous avez parlé de SA, de niveau SA, en fait, parce que moi, oui. moi j'ai
pour arriver à ce niveau, est-ce qu'en fait il y a une condition par rapport au niveau ou en fait dès que la personne elle peut bénéficier de l'aspect? Non, n'importe quel niveau, on va bénéficier également de OASP. La seule chose, c'est que les gens qui ne sont pas agents puissent bénéficier à cause des doubles points pour pouvoir être promus dans les plans de marketing plus rapidement. Ah bah Et pour pour, faciliter, c'est bien super. sûr. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que si vous êtes déjà SA, et vous avez des personnes en dessous de vous qui deviennent SA, SA, SA. Une fois que vous avez trois, vous devenez SA, SR, SA Roubaix. Vous voyez? Et ainsi de suite. C'est une façon d'accélérer le processus de monter dans les rangs, dans les plans de marketing d'IXN. Ah bah parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous rassure que je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Paris bon pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.